Si donc l'Afrique représente le quart de l'humanité de la fin du siècle, a-t-on compris que pour en arriver là, il faudra d'abord être passé par l'étape dans laquelle nous sommes, où 50% de toute la jeunesse du monde de moins de 18 ans est déjà africaine? Savent-ils que la majorité de nos enfants, à nous êtres humains, sont africains? Dès lors, quiconque veut penser avec sérieux au futur, il faut saisir toutes les opportunités qui nous sont présentées de cette manière. Et pour nous, Français, qui avons tant besoin d'aide, c'est notre devoir de nous avancer dans l'ère d'influence de la langue commune pour tendre la main pour l'entraide dont nous avons besoin. Pas vous avez besoin, nous avons besoin. Parce que tandis que 50% d'entre vous ont moins de 18 ans, tandis que la majorité de votre population est composée de jeunes gens, nous, cette jeunesse, ne représente qu'à peine le quart de notre population. Il faut savoir s'entraider plutôt que de vouloir dominer, plutôt que de donner des conseils, plutôt que de dire aux autres ce qu'ils doivent faire.